Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel ultra opening et qui est tourné dans les conditions du live, car je suis en live pour mon premier passage Necropolis qui vient de se terminer. On est du coup en vocal avec Monsieur Mickey, Monsieur J et Monsieur Zep. Et Monsieur Chris, hein, m'oublie pas. Ah, t'es revenu aussi. Oui, revenu. Il revient en plein milieu. Bref. En tout cas, donc, on a fini le premier passage, on a gagné pas mal de trucs. On a également tout le chat qui est avec nous, donc plus de 150 personnes, ça fait plaisir. Merci à vous d'être là en direct. Comme ça, vous aurez vu en avant-première la vidéo de demain. Je vous jure, là, de remettre les yeux sur l'écran, j'ai l'impression qu'il faut que je tape à l'envers, sur l'écran. Genre, je suis encore dans la phase, moi. Je suis encore dans le truc de la phase, c'est un délire. Ok, ah oui, c'est vrai que j'ai un Nexus Cosmic 6 aussi à ouvrir. T'inquiète, tu vas la faire s'il faut. Alors, pas tout de suite. Alors, donc, on a le Nexus de l'Abysse, on a le Nexus cosmique aussi. On va aller chercher 2-3 trucs. Ah ouais, t'as pas ouvert celui de l'Abysse là, non, parce qu'en fait, j'avais pas de cristaux 7 encore pour faire un ultra opening. Donc, on va prendre celui de GA. J'aime bien prendre celui de GA. Ok, ça, on est bon. Bon, après, tout le reste... Ça, c'est quoi, ça? Ah, cristal de Pouluza Platine. Eh ben écoutez... Ouais, t'as eu un paragon, moi, j'ai eu T6, c'est... D'accord. Ok, bah écoute, ça se prend. Ça se prend... là, j'ai la gemme de R3, donc ça va être hyper important. Ça va être hyper important. J'ai 21 cristaux de T6C. Est-ce qu'on va en compléter un? Le science, c'est notre cinquième. Ok, ça marche. Alors ici, j'ai rien. De toute façon, on va aller ouvrir ici. Hein. Ici, ah oui, c'est vrai que j'ai un 6-fit. J'ai un 6-fit, le 5, on s'en fout, on l'ouvre direct. Ok. On va ouvrir quand même un peu de 6 avant. Enfin, un peu de 6, non. On va juste ouvrir les 6 Nexus, Future. Enfin, on va ouvrir 3-6, quoi. On va juste ouvrir 3-6. C'est vrai qu'on a aussi... Ah non, on a un 6 classique aussi. Allez, on va ouvrir le 6 classique. Bon, de toute façon, il ne me manque pas grand-chose, hein. En 6 classique, il manque Titania, Groot, toujours, hein, toujours Groot. Titania, et il me manque de l'ancien feat. Non, il ne manque personne de l'ancien feat, je crois. Attendez. Dans un 6 Nexus, j'ai enfin chopé Miss Marvel. Je sais plus. Ah ouais? Putain, ouais, putain, oui, j'avoue. Ça fait 8 ans que je l'attends, peut-être. 7 ans. Ah, Longshot, c'est l'éveil, je crois, non? Je crois que c'est l'éveil de Longshot. J'attends depuis des lustres de l'éveiller pour le monter R3. Ou j'ai peut-être monté R3 depuis. Très bien, ça. Très cool. Il est bien, son éveil, en plus. Bah ouais, c'est pour ça que j'attends. En vrai, je vais avoir un 6 en plus, je pense. Il y a moyen que j'ai un 7 en plus. Ok, on a une relique 6, on a une relique 5. Ok, on va ouvrir le petit cristal paragon. Ok, un 5, ça se prend. Ça aurait été le coup là, Elsa. Ça aurait été incroyable. Ok, allez, relique 5, relique 6, et après on passe au Nexus. Et au Fit. Bon, le 5, on va le faire pop direct. Miss Marvel, c'est l'éveil, je crois, de Miss Marvel. Ou peut-être j'avais dit... Oh, je sais plus trop. La relique 6. Alors, relique 6, j'ai celle de Wolverine, j'ai celle de Valkyrie, j'ai celle de Black Panther, j'ai celle de Tornade et j'ai celle de Fléau, si je ne m'abuse. Je crois que j'en ai pas d'autres. Ça ne me dit rien d'avoir d'autres. Relique 6, donc ça, c'est pour le coup, c'est une récompense qu'on vient d'avoir. C'est une récompense qu'on vient d'avoir. Et on va tomber sur Mister Sinister, ça, c'est sûr que je l'ai pas. C'est pas mal, Mister Sinister, en vrai, par contre. Ah ouais. Bon, par contre, c'est encore une mutante. Donc, je vais pas la monter tout de suite R2, parce que j'en ai déjà une de monter R2 et j'en ai deux autres. Donc, non. Mais c'est pas mal, par contre, parce qu'en vrai, elle peut pas mal servir sur des persos que j'ai et que j'utilise. Donc, c'est assez sympa. Ok, on va aller, du coup, ouvrir le cristal 6. Featured, il nous manque Lady Deathstrike et Adam Warlock. Sachant qu'Adam Warlock, j'ai un cristal Nexus Cosmique juste après. Oui, je vais aller la chercher, Mickaël. Ok, Joe Fixit, c'est un R3, ça me va. Encore... Iron Patriot, ton ancien, et les tout récents, genre... Ouais, ça, c'est ce qui te manque, ok. Ok, Joe Fixit, ça, on avait déjà. Ah, ouais. Remettre Zep dans le...
il peut pas. Pourquoi il... Bah, j'allais le faire. Pourquoi il peut pas reparler? Attends, oui, ok, bouge pas, je m'en occupe. Ok, bon. Le cosmique. Ok. Donc là, il nous faut Adam Warlock. Pas d'Adam Warlock du tout. Super. On va prendre Vision. Ah oui, les éclacettes. On va prendre Vision Arcus. On va prendre Vision Arcus. Optimiser mon kilo. En vrai, je crois qu'on va être léger. À part si dans le Nexus Abyss, on a un 200. En fait, le seul moyen que je prenne pas un 200, c'est si je chope Titania. Allez, c'est parti, Titania, s'il vous plaît. Ça ferait plaisir. En vrai, non, ce serait mieux que tu la chopes en 7. Ah oui. Chier, hein, ils veulent pas. Ouais, mais c'est le seul perso qui manque. Bah, pour le coup, prends un compétent. D'ailleurs, monsieur Outil, j'ai mis la chose à 200 ce matin. Très bien. Donc, je vais prendre la chose. Il m'a quand même souvent rendu. Bah, je vais le monter, hein. Je vais monter R4, voire peut-être R5 d'ailleurs. Je sais que quand les mecs ils ont pas Crossbones ou Falcon. Cristal du collectionneur. Ah, ça, je vais attendre. Ah non, putain. Je pensais pas avoir appuyé. Parce que je sais pas s'il manque une étoile. Je sais pas. Ok, ça on l'ouvre et normalement on est à 15 000. Ok, on peut ouvrir un set en plus. Donc. On va ouvrir le set tout de suite. Bah oui. On fait une petite pep méthode. Bon. Oh. La petite pep méthode. Fais trop. Allez, c'est parti. On appart aussi sur les mains. Oh, et oui, c'est exactement ce qu'on veut. Fais la toupie avec ta vie. Allez, c'est parti. Ouais. Nouveau cristal 7 étoiles. Et on va tomber sur... Bah écoutez, je monte un peu plus Dragon Man en comp. C'est très bien. C'est très bien. En vrai, c'est pas mal. Alors, bon, c'est pas l'éveil le plus important. Je sais pas si niveau prestige, il rentre dedans. Je sais pas s'il rentre dans mon prestige. Non, il doit pas. 40 R3, non. Alors, oui, en R3. Alors, si je chope une gemme mystique, oui, c'est incroyable. Mais il monte pas dans... Là, il est pas dans mon prestige, encore. Je sais que Overseer Yem et Dragon Man, j'avais compté justement. Ouais, il est juste avant. Il est juste derrière Docteur Doom et Baron Zemo. Juste derrière. Ouais, Christophe, potentiellement. Ouais, vers ok, bon, ça me fait des éclats titans. Ça me fait des éclats titans. Bon, le problème, c'est qu'on n'a pas de nouveau en ce moment en 7. C'est con de se dire que le R3 qu'on va monter, on pourra jamais le jouer en BG. Parce qu'il sera ban à chaque fois. Bon, les amis, l'heure est grave. Bah, ça dépend, si tu montes un caca. Les amis, l'heure est grave. On va ouvrir et on va, enfin oui, on va ouvrir la première gemme de cette R3 de mon compte. Il nous faut les meilleurs choix. De toute façon, il y a trois meilleurs choix. Les trois meilleurs choix, c'est tech, mystique et science. Si on chope une de ces trois-là, peu importe laquelle. Franchement, je m'en fous complètement. Si on chope une des autres. Eh ben, on va aller viser un truc autre. Voilà, on va aller viser autre chose. Écoutez, c'est parti. J'aime bien parce que tu fais la pep méthode sur un truc comme ça, sur ce cristal-là, ça me sert à rien. De ouf. Hé ! On se calme. On se calme. Logiquement. Bon, je me suis déjà préparé à me faire niquer, hein, donc c'est pas grave. On est parti pour ce cristal. Tu peux te faire niquer une gemme 7R3. Ok, bon, tu peux aller. Ok, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. La petite chouille R3. La petite chouille R3 qui fait plaisir. Ça fait plaisir. Eh bien, écoutez, Monsieur Outil, on sait très bien ce que je vais faire derrière. Tu sais très bien ce que je vais faire, Monsieur Outil. Ça, bien entendu. Tu sais très bien ce que je vais faire. C'est sûr. Alors, cristal virtuose. Et cristal... Virtuose, je veux Elsa, bordel de cul. Je veux Elsa. Ah, genre, tu vas l'éveiller. Je m'en fous, je veux. En vrai, j'ai Falcon et Mantis aussi éveillé en virtuose. D'accord. Donc, ça me va. Je veux Elsa, bordel. Je veux Elsa. En vrai, éveiller. J'ai Killmonger aussi à éveiller potentiellement. Et Black Panther, pourquoi pas. Je sais pas si on peut l'avoir. Ah, si, on peut l'avoir. Allez, c'est parti. Premier cristal virtuose, 7 étoiles. Et on va tomber sur Black Panther.
Ok. Ok, ça, si je peux l'éveiller. Maintenant, il faut l'éveiller, Black Panther. Parce que non éveillé, voilà. Ok. Ouais, c'est clair. Elle mérite son up et elle va me resservir derrière, en fait. Donc, c'est un investissement. Écoutez, on est parti. Le deuxième. Cet éveil BP est trop fort. En vrai, franchement, si je chope BP une deuxième fois, je le mets R2. Hein. C'est sûr. Moi, je l'ai mis R2, pas éveillé, ça tape. C'est parti. Ah oui, ça tape, mais bon. C'est parti. Et celui d'après, ça sera... Elsa. Il y avait que ça. Il y avait que ça à l'écran, donc impossible de passer à côté. Impossible. Bon, c'est pas le meilleur tirage de Virtuose de l'histoire, mais au moins c'est du nouveau, en vrai, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas eu de nouveau entre les éveils d'Overseer, les éveils de Dragon Man, les trucs, les machins. Ça faisait longtemps. Ok. Bah écoutez, l'avantage, c'est qu'il y a plus de stress pour le cyber. Au moins, on a déjà un premier R3. Et ce premier R3, eh bien, on va le monter tout de suite, hein, de toute façon. On va le monter tout de suite, je m'en fous. Hein. Oh, il attend pas gain de niveau. M'en fous. Il montera du 4 étoiles pour gain de niveau, ça suffit. Et on est, putain, 1 million 2 d'or. On est parti. Shuri 7 R3. Ça fait plaisir. Et du coup, Shuri 7 R3, bam, elle rentre dans mon prestige, bien évidemment. Et du coup, je vais passer à 19-253. Ça me fait monter de combien de prestige, en fait? Ah ouais, ça me fait... Putain, oh, le up de prestige que je prends. Je prends 700... Je prends 700... 700 de prestige, je prends, là. Tu passes à combien, du coup? 20 000... Attends, bah alors, je dois... J'ai pas... attends, je vais la monter de rang. Enfin, la monter de niveau, mais... Ah oui, oui, oui. Elle est pas encore montée de niveau. Elle est pas encore montée de niveau. Ah, oh, j'ai plus d'isothèque. Ah, oh, les bâtards. Ok, pas grave, on va prendre du 10 000. On va juste essayer de faire un truc. On va ouvrir du 4 étoiles. Si en vrai, je peux avoir 2-3 trucs tech, ça peut être pas mal, en vrai. Alors, on va ouvrir du 4 étoiles. Allez, au moins 2 tech. Oh, il y a un nouveau. Ok. Bon, il y a eu un seul tech. Il y a eu un seul tech, c'est nul. C'est nul. T'as beaucoup d'éclat-pinc ou pas? Pff, ouais, bon, je peux en ouvrir deux. Bah vas-y. Il y a du grand maître. On sait jamais. Putain, j'ai encore un nouveau, mais c'est un délire. Silk en 3. Bah en fait, j'ai eu Silk en 4, Silk en 3. Bah écoutez, comme ça. Après, c'est qu'elle vient d'arriver, je pense aussi. Hein. Elle a dû arriver genre cette semaine, donc c'est pas illogique. C'est pas illogique. Ouais, je vais ouvrir 3-5 étoiles, si on peut... Ouais, en fait, elle vient d'arriver. Et bon, on va l'avoir en 5 étoiles, écoutez. Pas du tout. Et pas du tout de tech. Génial. Merci, Kabam. Du Kabam, tout craché, ça. Hein. Vas-y, continue à ouvrir les éclats de cavalier, je sais pas quoi, là, on sait jamais. Je croyais t'en rester un... J'ai rien du tout. Un grand maître, je crois, et t'avais un chevalier. Non, deux chevaliers. Putain, mais j'ai du nouveau tout le temps. C'est un truc de fou. Non, mais c'est pas grave. Et pour le coup, t'as eu ton tech, mais nouveau. De quoi? Un nouveau. Et elle est ancienne, en plus, hein. J'ouvre un dernier 4 et après on prend. De toute façon, au pire, c'est pas grave. Façon, on va gagner de l'or dans le cyber. Oui. Allez, on y va. Putain, j'ai 4 nouveaux du coup. C'est n'importe quoi. Non, c'est quasiment jamais arrivé. T'sais. Ouais, c'est clair. Putain, 600 000 d'or de la montée comme ça, de mettre que de l'iso de merde comme ça, là, putain. On va arriver au bout. On va y arriver. Elle va passer 35 000. Pff. Ok. Ça, c'est bien. Réinitialiser. J'imagine bien, je chope Mystique, je monte genre ça, Squatch. Il a 120 000 PV, le truc, il est injouable en BG. De ouf. De ouf, c'est trop ça. C'est trop ça. Et là, il me manque un tout petit peu. Tac.
Eh bien écoutez, Shuri, 35 326 28 d'IP. Et mon prestige est à 20 519. C'est bon. 20 519, c'est pas mal. C'est pas mal. Bah c'est pas la plus éveillée de mes R2, donc bon, c'était pas illogique hein, qu'elle soit. Ouais, Dragonman est à 40. Bah Dragonman et Overseer. Oui, Overseer. Overseer, elle est déjà dans mon prestige, Overseer. Oui. Overseer est déjà dans mon prestige, mais de toute façon, on va avoir de quoi up un nouveau perso, donc je pense que je monterai Overseer, hein, de toute façon. Ah bah oui, parce que oui. Le prochain R3. Parce qu'en fait, il faut que je regarde en termes de R3, en fait, qu'est-ce qu'on va avoir. En fait, là, on va avoir, pour le coup, alors, d'ailleurs, j'ai vu dans les. Tout à l'heure, vous me demandiez quelle gemme je vise au cyber. Mais c'est pas une gemme qu'on va avoir au cyber. Au cyber, ça va être des bouts de T3A, de T4A, c'est ça? Oui, T4A, qui vont être répartis entre les offres en nu et les offres en argent. Donc en fait, on pourra monter n'importe quel casque qu'on veut. C'est pour ça qu'en gros, il faut d'abord monter un R3 avec la gemme qu'on gagne dans le Nécropolis, et ensuite monter avec les katas. C'est pour ça que moi, je sais que je pourrais monter Overseer. Mais vous voyez que j'ai absolument tout ce qu'il faut derrière pour le monter. Donc en fait, il manque juste les T4A, en fait. Du coup, comme on a eu notre cinquième science, du coup, je suis bon. On a eu le cinquième sur tout à l'heure. Mais je crois que Dragonman, je peux. Ah non, Dragonman, il manque deux katas. C'est ça qui m'embête, tu vois, parce que moi, si je dois monter Shuri R2 avant le cyber, c'est relou, quoi. Ouais, bah oui, c'est ça. T'es 6B, mais t'es 3A. Hein. Ouais, mais tu vois, moi, c'est pour ça que j'avais. Non, Jay, si tu fais ta ligne, tu vas avoir une gemme de 7 R2. Ouais, mais ma Shuri, elle est que R1. Je l'aurais voulu la monter. Ah oui, en fait, le truc. D'accord, en fait, le truc, c'est que si tu montes un R2 là maintenant, tu auras plus assez pour monter ton R3 au cyber avec les katas. Ah ouais, ou il faut que je prenne plein d'offres que j'avais pas prévu de prendre, sûrement. Ouais. Oui, ok. Ok, oui, je vois un peu ton délire. Mais parce que. Enfin, en R3, t'en as combien? Bah, un R3, j'en ai pas. Non, R2. R2, t'en as pas des hacks? 5. Et t'en as de toutes les classes ou genre. J'ai Overseer, Sasquatch, Bishop, PX et. Je sais plus qui. Overseer, non? Je l'ai dit. Oui, ah oui. Ah bah je sais pas. Bishop, t'as deux mutants, Overseer. En tout cas. Oui, j'ai deux mutants, Bishop, PX. Okay. Mais oui, c'est Sasquatch et je ne sais plus. Parce que moi, du coup, ce qui est bien, c'est que au-delà. Bah oui, Dragonman qui est pas. Ah oui, Dragonman. Oui, bah, en fait, j'ai dit Overseer parce que je savais qu'on avait des trucs en commun. Enfin. Oui. Ok. Non, mais c'est pour savoir en fait si t'as des possibilités. Moi, j'avais 3 possibilités sur 6. Bon, toi, t'as 4 possibilités. Et moi, l'avantage, c'est que bon, j'ai quand même fait un bon stock quand même de T6B et T3A, j'en ai 13 de chaque, sachant que je vais monter au moins à 14 là d'ici là. Et on a surtout beaucoup de gemmes à côté. J'ai une gemme de R2, j'ai deux gemmes de R2, pardon. J'ai une gemme de 6R4, une gemme de 6R5. Ah non, c'est une virtuose la gemme de R5 que j'ai. Ah, je savais pas, je pensais que c'était une gemme cosmique. Ok, bah cosmique, j'ai R4 par contre. Mais enfin, je suis pas mal en vrai, hein. J'ai de quoi faire. J'ai vraiment de quoi faire, donc on va pouvoir se faire kiffer aussi bien. On va pouvoir se faire kiffer. Et au-delà de ça, il y a le petit maestro. Ah bah d'ailleurs, tiens, regardez. Hop. On va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout du bout. Maestro éveillé. Et on va lui mettre toutes les pierres cosmiques. Comme lui, de toute façon. Je crois que TPP, il l'a monté à 3. Bah je vais... En quoi? En 7? Ouais. Ah bah c'est pas choquant. Gros défenseur. Moi en 6, en ouais. 6 je vais le monter pas mal en 6, je pense, je vais le monter R4, je pense moi. Hein. Au moins R4. Peut-être même R5. Ouais. Hein. Ouais, ce qui est bien c'est que j'ai la gemme. Donc la gemme, je peux carrément lui mettre sur lui. Donc bref, en tout cas, il y a des possibilités là au cyber. Ça fait plaisir. Et j'ai toujours 12 gemmes d'éveil générique. Hein, c'est fou. Ok. Et donc en termes d'objets. En termes d'objets, juste avant de se quitter, en termes d'objets, du coup, vous voyez que j'ai encore pas mal de réas, hein, mine de rien, j'en ai encore une quarantaine. J'ai toujours mes 5 réas 60, une réa d'équipe, sachant que, comme je l'ai dit, on en gagne une dans une semaine. Pour ceux qui veulent retarder un peu leur run, ça peut être intéressant de le retarder d'une semaine, parce que dans une semaine, vous avez une réa d'équipe en plus.
Et donc, à côté de ça, j'ai 34 réa solo, quoi. Donc là, l'idée, ça va être de renflouer les caisses, de toute façon, avec, avec des objectifs solo et tout. Et mine de rien, je pense que dès qu'on aura une petite centaine de réa comme ça, je pense qu'on se relancera dedans, hein, je pense. Mais voilà, on va attendre, je pense, la fin d'année, on va laisser passer au moins un mois, histoire de renflouer un peu le tout, et voilà, ça va être kiffant. Ça va être kiffant. Écoutez, merci à vous, merci à tous d'avoir été là sur ce live et sur celui d'hier. Voilà, on termine dans les temps, 20h30, j'ai des potes à les retrouver, donc voilà. Écoutez, merci à vous, merci également à Chris, à Zep, à Monsieur G et à Monsieur Mickey d'être passés en vocal, me tenir compagnie, notamment sur cette épreuve qui a été le grand maître. Et écoutez, bonne chance à tous pour vos passages, et n'hésitez pas à partager un petit peu vos petits ressentis après avoir fait vos passages et tout, notamment si vous êtes passé sur d'autres lignes, parce que du coup, moi, je vais avoir d'autres lignes à faire après ça. Voilà, merci à vous, bonne soirée, salut !